credo de ATD Quart-Monde, c'est éradiquer complètement la misère. Donc l'idée, c'est de faire participer les gens, leur donner la parole, pouvoir s'exprimer, faire connaître des situations de détresse pour que plus tard, que le mouvement puisse les porter et qu'il y ait des lois derrière qui soient votées. Enfin, dans notre mission d'allier au niveau du mouvement, c'est d'aller vers, de pouvoir trouver les bons interlocuteurs. Pas systématiquement dire oui, je vais t'aider, je vais te donner ci, je vais te donner ça. C'est plutôt mettre en relation avec des personnes qui pourront savoir comment faire. On est plus dans la réflexion que dans l'action, ça c'est sûr. Ouais. On a des fois un peu de mal à parler de nous de manière concrète. Alors on est visible le 17 octobre, là, au moment de la journée mondiale du refus de la misère. Pourtant il y a des permanences toutes les semaines, il y a des gens qui viennent, qui ont plaisir à se retrouver, à discuter. Enfin, on a souvent pensé qu'on n'allait pas pouvoir tenir dans la durée parce qu'on était trop peu. Quand on voit nos réunions, il y a du monde. Alors, il y a beaucoup plus de militants que d'alliés. On est toujours à la recherche de celui qui manque. Hein, c'est le terme qu'on utilise, notamment pour les universités populaires. Donc, voilà, principe vraiment de la porte ouverte. Mais bon, c'est pas facile de recruter des alliés qui s'engagent de manière... Comme on ne fait pas de caritatif, on ne vend rien, on ne donne rien. On est un groupe à la flèche, dans le groupe d'Université Populaire, qui marche bien parce que y a vraiment, c'est un peu l'affaire de tous.